Bonjour Frère Maxime, comment nous est? C'est JFL Cuisine Créole, Jean Fédon lundi, votre chef à la maison qui rentre la canon. Je dis à l'âme pour le préparer pour nous une petite pizza au poulet, une petite olive et puis petit légumes là-dedans. Ok? Pour commencer là, gars, ça c'est poitrine de poulet ou bien cuisse de poulet, ça nous gagne. Hein? Nous juste mettre en bas four, nous griller. Ok? Là nous faisons griller poulet là, et à ce moment-là nous prenons, les vins qu'on s'allume nous, et puis nous faisons refroidir, nous déchiqueter. Ok? Moi bien déchiqueter ou même on peut déchiqueter j'en veux, ok, qu'on a rendu là qu'on a mal fait si pizza pour nous, ok. À la fin vidéo nous allons voir une petite photo, une petite vidéo qui apparaît dans fin écran pendant ma parler et puis n'a pas les mais c'est lui même qui a pas de pizza, ok. Mais pas de pizza commercialement fait pour nous, hein. Mais devant là nous étant sorti déjà, je fais le cramper, je fais le gonfler un peu. Et puis, quand on a la baleine, juste passé, je n'ai pas besoin de vous m'avez. Donc, on va nous donner une autre technique de pizza. Si toutefois que nous-mêmes, nous voulons faire pour nous vendre. Okay? Avec vrai bon pâte pizza commercial, ça va faire pour nous. Regardez bien ça qui va arriver là. Je vais finir le lit. Je vais mettre dans un moule à pizza. Mon la pizza maintenant, simplement maintenant, juste mettre un petit farine, on va mettre beurre, ok? Qu'on a là, on va aplatir, on va élargir la pizza, la jette plaque là. Femme sincère avec nous tous, il y a une série de spécialistes en pizza là. Il y a tapé, il prend pas de pizza là, il y a tapé, il prend avec mes roues tombées, ou l'île là, ou l'île, voilà, même passer, ou l'eau sous l'île. Mais moi-même, pas un spécialiste en pizza, d'accord? Assurez que pas m'a mettre à la vraiment la gemoul, ok. Ça c'est avec le temps ou même sous compte moulou ou vin pour expérience et pour être capable d'arriver à faire. Quand y a là les pâtes la fin bien rempli moule moins qu'on a pris avec une petite fourchette, on fait quelques tutos là dedans. Si ou même vous voulez faire comme ça vraiment ou gen un petit rouleau yo vann même pour ça tant qu'on fin fait là on est passé sur les bien ni tout fait tout petit tour pour, OK, si vraiment vous voulez faire commence avec ça si tout ça me fait pour éviter boue soufflure qu'on a une fois que me fait là on a la m'a quitté le reposer yon 5 minutes après 5 minutes moi faire le fond pré-cuisson. En pré-cuisson ça veut dire m'a mettre fond à 350 et puis m'a mettre là-dedans pendant 5 minutes et puis m'a venir avec, ok. Mais j'aime te dire non, m'a pré-cuit hier, regarde c'est déjà pré-cuit, juste blanchir et puis voilà qu'on a la m'a fait pizza, qu'on a m'a mis sauce pizza là dessus pas oublier c'est au poulet et légumes m'a fait là, hein? N'a mis sauce pizza m'a fait lorsqu'on met sauce pizza dans pizza, ok, toujours faire attention pour ne pas faire sauce là déborder aller l'autre côté, ok. Regarde nous mettons comme pour quitter à rebord là pour lui normal là. Regarde. Ok. C'est nous. Hein? Et voilà. Qu'on a commenté dit nous c'est au poulet. Moi te montre nous déchiquetage poulet là. Qu'on a mené pour un poulet là. Moi mettez partout. Lorsque nous finissons mettez poulet, mettez bon petit coup poulet, mais au même temps, on va mettre quand c'est ouvert là, carreau là. Ok. On a fini de mettre poulet, qu'on a là, moi mettez fromage. Fromage râpé. Peu importe quel fromage vous avez, c'est vous mettez. Ok? Pas besoin de quel fromage. T'as coup, par exemple, moi même ici, moi mettez fromage mozzarella. Lorsqu'on fait pizza, ok? Faut que toujours mettez fromage là. Et après, qu'on a pour mettre légumes là. Ok? Pas faire l'inverse. Pas mettre viande, légumes et puis fromage. Ça marche pas là. Ok? Et voilà. Qu'on a mis le fromage là, qu'on a mis les légumes là. Qu'on a mis ou mis les légumes ou aimé. Hein? Si toutefois là, vous avez mis le brocoli là, ou mis le brocoli là, mais puis vous cuit à l'avant. Vous coupez dans un petit morceau et vous mettez le brocoli. Moi-même là, je fais avec olive. Hey, ça va être bon là. Si toutefois, vous avez fait avec bacon aussi, bacon. Vous avez cuit le bacon là, et puis pas 100% là. Vous avez cuit le bacon là un petit peu bras, et puis qu'on a déposé le bacon sous les là. Qu'on a là, moi-même, je mets poivron. On coupe poivron en petit rondelle.
Et voilà. Si toutefois, ou même quand vous vivez en Haïti, ok, ou un champignon, bon champignon, nous possédons la caille, tout le temps, c'est toujours en noir et toujours sec, nous jeunes. Ou t'es prendre un champignon en vête là, ça veut dire sans le pas sécher, sous cas jeunes nous-mêmes qui en Haïti, ou déposer sous le là, ça va être hallucinant, ça va être très très bon. Qu'on a là, on va le mettre cuit dans le four, à 350, 25 minutes, ça devrait être prêt. Ok, nous allons voir ça. 30 minutes plus tard, à 350 degrés, c'est waouh! Waouh! Une réussite totale, hein? Totale. C'est la réussite en profondeur. C'est bien croûté, c'est bon. Les petits toutes sont là. Là, maintenant, il reste simplement à couper et puis voir. Je vais quitter un petit 2 minutes passer sous lui. Et puis, je vais regarder. Mais un petit coup de pizza là. Comme son gros pizza bien, ma pisse est coupée là. Waouh! Seigneur! Waouh! Tiens, regarde-moi ça en bas. Bien coloré, bien doré. Waouh! C'est bon ça, regarde-moi ça. Ok, maintenant, attendez. Ces petits pizzas au poulet là, c'est vraiment bon. La pâte est excellente. C'est vraiment bonbon, ok? C'est un bonbon. Moi, je souhaite nous pratiquer ça et puis faites vous petits nous faites pour nous-mêmes tout, ok? C'était JFL Cuisine Créole. J'ai fait dans les 10 votre chef à la maison. Qui te rentre la canne de fonds pizza commercial pour nous au poulet, ok? Merci, au revoir.